Ma reine, les enfants sont introuvables. Ils m'agacent ces enfants-là. Depuis que nous sommes à la cour, ils ne respectent pas mon autorité. Voulez-vous que j'aille encore les chercher? Non. C'est le roi qui m'en fait charger. Mais où sont mes suiveuses? Elles sont au marché pour la fête du roi. Sinon, des progrès dans le front? Oui, sous nos repoussants, les chalaris de l'arrivée de l'Est, on pourra fermer le territoire de l'Écou. Bien. Bien. Et combien d'hommes faut-il ajouter sur place? 3 000 hommes, votre majesté. 3 000. Et au niveau du nombre de morts? Il y a déjà 360 morts sur place et 960 restants. Il ne faut pas oublier que 3000 hommes qui partent, c'est 3000 hommes en moins dans la haute capitale. Oui, j'ai déjà informé les chefs des armées Mankata. Il a tout préparé. Bien, bien. Chef Touma, vous pouvez disposer. La reine arrive! Mavamba, soyez béni des anciens. Katango, arrête, je ne suis pas mon père. Il est parti vérifier les autres transactions dans la région de Nsuji. Mm-hmm. Je dois me charger des poissons qu'il manque ici pour la cérémonie du roi. Oh bien, bon courage. Merci. Katango, tu partiras bientôt en congé pour présenter ton enfant à la famille, n'est-ce pas? Tu vois, je l'espère bien. Ma femme s'impatiente. Et Wamba, partira-t-elle avec vous? Wamba? Non, pourquoi? Ah non, non, pour rien. Bon courage, je pars au marché. Au marché nocturne? Mais tu ne vas pas au marché principal de demain? En plus, il y aura toutes les filles des anciens. Katango, arrête de parler comme mon père. Ce dernier veut me présenter toutes les filles des anciens rois. Mais où est le problème? Non, sans façon. Bah même pas. Ton cœur est déjà pris? Ah, mon cœur! Hey. Ah, pardon. Ah, je te souhaite une bonne soirée. Je passerai le bonjour à Wamba pour toi. Salut ta femme de ma part. D'accord. Wamba. Mon petit Daki Skara. Mon roi, soyez béni des anciens. Ma reine. Nos enfants ont encore manqué leur entraînement de combat. Il me manque de respect depuis que nous sommes à la cour. Maintenant, c'est à ton tour d'être le méchant. Oui, mon roi. Prévenez les gardes de la haute cour qui cherchent les enfants. Partout. Oui, mon roi. Et prévenez aussi l'entourage de la reine. Qu'elle me rejoigne à la grotte des anciens ce soir. Seule. Oui. Mavemba. Bonjour mes cousins. Oh. Ah, comment allez-vous? Mavemba. Mavemba, c'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? Les gars,
maintenant ça nous ramène des clients. Les gens me reconnaissent. Je suis Mavemba, le fils de Mbembe, le grand tablier. Tu es sorti de la peine. Hein? Comment ça de la peine? Regardez, regardez ça. C'est des coquillages, ça. Ah, ah. Comment ça, ce sont des coquillages? Je ne dis pas encore que vous allez encore essayer de vouloir que j'achète tout. Bah si, on est tous cousins. Oh, oh, Tiens donc, Mavemba, le fils du poissonnier. Non, c'est moi, Mavemba, le fils de la bière. Oh pardon, quelque chose t'intéresse? Ah! Ces paniers sont-ils nouveaux? Non. Hein? Bomba, t'es pas obligé d'être aussi moqueuse quand même. Ouais, mais nous on peut. Mes cousins, mes cousins, mes cousins. Si, si, vous... Tiens, tiens, tiens. Mavemba, le fils du tailleur. Non, ce n'est pas le fils. Dis-moi, tu viens encore acheter des paniers? Tu les aimes vraiment? Est-ce que tu as des pièces au moins? Bien sûr. Les entreprises marchent très bien. Ouais, malgré les tissus de mauvaise qualité que tu leur vends. Ouais, on tatoue ta famille. Quoi? Vous osez insulter ma famille? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, je ne m'en fais pas. Bomba, ton travail est terminé. Hein? Et votre enfant? Non, on rentre. Range tout, on rentre. Mais cousin, allez, on se calme. Elle est partie. Pardon, père. Pardon, père. Vous deux. Vous devez cesser de rendre votre mère malade. La prochaine fois. Hein, je vais vous emmener chez vos oncles. Et là-bas, ça ne blague pas. Père, pourquoi il faut y aller? Pourquoi? Oui, pourquoi il faut y aller? Il n'y a que des grands là-bas. Vous devez apprendre les principes royaux très tôt. Vous devez être prêt. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Ton oncle Makaba, il peut me mettre à terre en deux pas. Et toi, ton oncle Nimi, il est le meilleur lutteur de la capitale. Oui, tu sais rien faire, père. Si, je sais faire des choses. Je sais faire ça. Allez, on rentre à la maison. Tu as parlé à Lembe pour ton départ? Au fait, le prince Eya m'a demandé comment s'appellera le futur. Je suis désolé. Il faudra attendre la fin de Ndolo, la dernière saison des pluies, pour le présenter à sa famille. Lembe a besoin de moi pour la récolte. Tu comprends? Coco. Bonsoir à vous. Womba. Mais dis-moi,
Tu as terminé chez le tisseur? T'inquiète pas pour moi. J'ai aidé au marché une option pour la fabrication de vin de palme. Ah oui. Tout le royaume attend la fête de fin de saison. Tenez. Il vous faut reprendre des forces. Encore quelques jours avant que le petit n'arrive. Oh, Rumba. Il ne fallait pas. Mais attends. Il est tard. Noko ne doit pas t'attendre. Très bien. Je vais vous laisser. Notre oncle sait que je travaille tard. Dis-moi, tu ne vas pas laisser ta soeur rentrer seule? Et c'est dangereux. Bon. Rumba, on y va. Toujours à nous. Mais je ne veux pas que tu travailles trop pour nous soutenir. Parce que nous rentrerons au village quand le moment sera venu. Yaya, c'est important que mon neveu ait son baptême comme nous tous au village. Oui, mais ça ne presse pas. Ne va pas croire aux histoires des malheurs des anciens avec leurs malédictions ridicules. Très bien. Alors dors bien. Attends, Wumba. Est-ce que Mavemba te dérange? Comment ça? Vient-il t'embêter? Non, mais souviens-toi, je le battais toujours à la lutte quand nous étions petits. Je ne risque rien. D'accord, c'est juste qu'il me parle souvent de toi quand je veux voir son père. Je ne veux pas qu'il vienne t'embêter. Je ne t'en fais pas, ce n'est pas le cas. Bonsoir à Noko. Merci, rentre bien. Toi aussi. Tu n'as pas beaucoup mangé ce soir. Pourtant, c'est ton plan préféré. Non, papa. C'est ton plan préféré. Il y a des choses, mon fils, qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait faire. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils mettent des barrières partout. Tiens bon, mon fils. Il n'y a personne qui sera en dessous de tes forces. Merci, papa. Dis, papa, reste-t-il encore un peu ton plan préféré? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes devenus nobles. Il faut qu'on mange bien. Il faut qu'on mange très, très bien. Pourquoi sommes-nous ici? La grotte des anciens est un lieu sacré pour des événements exceptionnels. Depuis un certain temps, tu ne cesses de me reprocher ceci et cela. Devant mes conseillers, devant mes gardes, et même devant les enfants. Je suis le mani de ce royaume. Tu sembles oublier. Bien. Je ne dis rien. Tu sembles vouloir et pouvoir tout régler. Laisser les héritiers se battre plutôt qu'apprendre leur rôle à venir s'amuser. Alors qu'une tâche difficile les attend. Tes sœurs, hein? Elles te provoquent. Et te mettent en garde, n'est-ce pas? Mais elles ne savent rien de cette responsabilité. N'es-tu pas heureuse et satisfaite de ta vie?
par notre alliance, tu es la reine de tout l'Empire. Un empire qui repose sur ta descendance. Dis-nous. Je suis la fille du grand Mwemboku à Wetu. J'ai du sang noble. Je ne suis pas une vulgaire servante là que t'as élevé à un rang qu'elle n'aurait jamais connu. Ne déforme pas mes mots. Pourquoi il faut toujours que tu parles comme ça? Attention! Action! Ouais! Arrête! Juste pour là, et puis on en mettra. Xélé, c'est pas le tailleur? Le prince Aya m'a demandé comment s'appellerait. Mais Xélé, je te fais signe derrière là. Oui. Oh, s'il vous plaît. Ça. Ouais. Non, vas-y. On est lit.